Ouais, content, très heureux. Ça fait maintenant un an, quasiment jour pour jour, que je n'étais pas revenu au château. Donc, ouais, ça fait du bien de revenir. Mais tu dis que c'est vrai qu'après après le mondial, ça aurait été plus compliqué de continuer avec cette jeunesse qui arrive fort. Mais en fait, j'ai pas voulu arrêter sur cet épisode de la blessure. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que je vais encore continuer un petit peu. Puis l'envie encore de vivre des moments comme on a vécu auparavant. Donc voilà tout ça et le fait que voilà, je pense que j'ai encore quelques années à donner à l'équipe de France, donc je vais aller jusqu'au bout. Un an, c'est long et surtout quand il y a des blessures et surtout quand il y a des événements comme on a pu le vivre à la Coupe du Monde, c'est très long, mais c'est pour ça quoi, c'est un très très grand plaisir de revenir. L'équipe de France, de toute façon, quand on joue au plus haut niveau, c'est la motivation aussi des joueurs de dire que voilà, faire partie de l'équipe nationale, c'est pas donné à tout le monde, donc on y pense tous les jours. Mais voilà, aujourd'hui, je suis heureux de revenir et de faire partie de l'aventure. Le bon côté des choses, c'était que j'ai eu de longues vacances où j'ai pu faire une préparation complète, me préparer comme il le fallait. Et voilà, depuis le début de saison, ça se passe plutôt bien pour moi. Et que ça me manquait, qu'au final, voilà, la sélection, c'est. Quand elle n'est plus là, on se rend compte que voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma décision était de continuer parce que ça, j'avais toujours ce manque des compétitions, ce manque des matchs internationaux. Donc ouais, on se rend compte vraiment à quel point l'équipe de France est importante dans la carrière d'un joueur. Je ne sais pas si je peux me projeter aussi loin. En tout cas, je vais mordre dedans dès qu'on fera appel à moi. Après, bien évidemment que tout dépendra aussi de ce que je peux apporter à l'équipe et ce que je peux faire en club. Donc, je ne me fixe pas de limite sur l'avenir avec l'équipe de France. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup, donc voilà, je vais profiter au maximum. Je vais apporter tout ce que je peux parce que je pense que voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe et vraiment un collectif qui a vécu quelque chose d'important et qui a envie de continuer sur ça. Donc j'espère voilà, pouvoir faire partie de cette aventure.